Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Comme Patrick Faustier vous l'avait annoncé, c'est Boris Ravignon qui va vous accueillir. Et a priori, c'est qu'une question de seconde. 5, 4, 3. Non mais c'est incroyable. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Boris Ravignon. On dirait que ça fonctionne. C'est magnifique, Boris Ravignon. Merci à vous. Bon, parfait. Merci. Et alors, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être des vôtres ce soir. C'est un petit coup du sort. Je crois que... Enfin, je suis même sûr, puisque c'est ce que les tests m'ont indiqué, que j'ai été rattrapé par le Covid, comme quelques millions de Français. Et donc, eh bien, je suis isolé depuis ce matin chez moi. Voilà, ça m'interdit d'être avec vous ce soir pour cette manifestation, cette cérémonie de remise des trophées d'Ardennes Métropole aux entreprises que j'affectionne tout particulièrement. Ceux qui ont déjà participé à quelques reprises savent bien que je me fais toujours un point d'honneur d'être présent aux côtés du vice-président en charge du développement économique d'Ardennes Métropole, Patrick Faustier, qui est, je veux le redire parce que je crois qu'il mérite aussi d'être remercié pour cela, l'initiateur de cette démarche. Cette démarche de récompenser les entreprises du territoire, il l'a initiée, portée il y a maintenant plusieurs années, qu'elle se perpétue chaque année. Je crois pour notre plaisir à nous, mais aussi pour celui des entreprises du territoire qui se trouvent ainsi félicitées, encouragées. Moi, je ne vais pas forcément être très très long parce que les conditions là ne faciliteraient pas de longs discours, mais je veux dire à tous les entrepreneurs qui sont présents que nous sommes immensément reconnaissants du travail qu'ils font. Être chef d'entreprise, chef au masculin ou au féminin, avoir des responsabilités d'un certain nombre de salariés, porter des projets et notamment le développement d'activités économiques, c'est une des activités les plus utiles qui puisse exister à l'égard de la collectivité, qui puisse exister pour les autres. Et donc, je crois que simplement, avec cette cérémonie des trophées d'Ardennes Métropole, au-delà de distinguer une entreprise ou une autre qui aura dans sa catégorie finalement su prendre l'avantage, c'est vraiment un message de reconnaissance, de gratitude à l'égard de l'ensemble des entreprises du territoire que nous voulons adresser. C'est vous qui créez des emplois, c'est vous qui créez de la richesse, on a besoin de vous et on conçoit vraiment notre rôle avec Patrick Faustier, avec les autres acteurs du développement économique du territoire, comme étant au service finalement de votre réussite. Donc ce soir, il s'agit de distinguer un certain nombre d'entre vous, mais vraiment, que vous soyez lauréat ce soir ou pas, sachez que Ardennes Métropole est conscient de la somme de travail, d'investissement, parfois de sacrifice, que vous faites pour faire vivre vos boîtes, les développer. Et vraiment, on considère que notre rôle, c'est de vous faciliter le plus possible ce travail. Alors, il y a un certain nombre d'actions qu'on essaie d'entreprendre pour aider, par exemple, des jeunes créateurs à se lancer, déployer un incubateur, un botech, une pépinière d'entreprise. On aménage partout où c'est possible des locaux d'activité qui peuvent permettre aux entreprises de se déployer, de connaître une croissance supplémentaire. On va, avec la région Grand Est, dans les mois qui viennent, travailler sur un outil de portage immobilier de grande dimension pour implanter de nouveaux grands bâtiments dans notre région, parce qu'on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui des demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire, qu'on satisfait avec trop de délais. Et donc, on est vraiment dans cette démarche, en lien vraiment très étroit avec la région Grand Est, qui est notre partenaire sur le développement économique, et en lien aussi avec les organismes consulaires, notamment la CCI. Je ne sais pas si Aubin est présent ce soir, mais je crois que oui. Et donc, je salue également, et à travers lui, toutes les entreprises du territoire adhérentes à la CCI. Donc, on s'organise pour que l'environnement économique soit le plus porteur possible, pour qu'il y ait aussi, et ça a été un des grands combats du mandat précédent, des formations de qualité sur notre territoire qui amènent aux entreprises les ressources humaines dont elles ont besoin. Je crois qu'aujourd'hui,
n'y a pas un seul chef d'entreprise que je rencontre qui ne me dévoile pas, qui ne m'avoue pas avoir du mal à recruter sur un certain nombre de fonctions. Donc, je crois que le combat qu'on a lancé avec l'ouverture du campus, le fait c'est de garder nos étudiants, de les qualifier, et ce combat pour élever le niveau de qualification des jeunes Ardennais et faire venir des jeunes d'autres territoires dans nos Ardennes, eh bien, c'est aussi un combat qui finalement a une finalité économique manifeste et qui servira aujourd'hui et demain à la réussite des entreprises du territoire. Donc, je ne serai pas plus long. Je vous remercie vraiment toutes et tous de votre présence. Je remercie encore aussi Patrick et les services d'Ardennes Métropole qui ont fait ce travail de comptabiliser, d'essayer de départager des entreprises qui sont toutes méritantes et qui vraiment méritent toute notre reconnaissance. Donc, merci à vous, merci de ce que vous faites, merci de ce que vous êtes. Et puis, bonne cérémonie des trophées d'entreprise Ardennes Métropole pour cette édition 2022. Et à très bientôt. Oui, j'ai pas beaucoup de symptômes. J'espère pouvoir me sortir rapidement de cette cochonnerie et de revenir encore plus actif à vos côtés. Merci à vous, Boris Ravignon. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci à vous. Monsieur Faustier, je ne vous représente pas, mais si vous le voulez bien. Deux mots très rapides, puisque je ne voudrais pas, comme le président Ravignon, être trop nombreux et trop surtout. Je voulais vous accueillir les uns et les autres très rapidement, vous remercier de votre participation, de votre présence. Vous représentez, alors déjà représenter bien sûr, et remercier les 26 entreprises, je crois, qui ont concouru cette année. Elles sont, comme vient de le dire Boris Ravignon, le témoignage de la vigueur et de la volonté de développement d'un certain nombre de chefs d'entreprise sur ce territoire, et c'est ça que nous souhaitons à toute force mettre en avant. On parle trop souvent, c'est aussi une réalité, des entreprises lorsqu'elles vont mal. Ce que nous avons voulu faire avec cette cérémonie, c'est de parler des entreprises lorsqu'elles vont bien, de les mettre en avant et que chacun d'entre nous, ici, mais évidemment autour de cette salle, puisse prendre conscience de cette réalité. C'est qu'ici, sur ce territoire, il y a des gens qui se battent pour développer leur activité et qui participent à l'effort collectif pour monter ce territoire vers le haut. Donc c'est bien cela qu'on souhaite mettre en avant. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus vous remettre les trophées, qu'ils soient élus, qu'ils soient représentants des chambres consulaires. Toutes et tous, ici, par leur présence, montrent aussi tout l'intérêt qu'ils portent à cette activité économique. Voilà, je ne veux pas être plus long et te permettre de lancer cette cérémonie et de commencer à remettre ces trophées 2022. Merci Patrick Faustier, merci à vous. Quelques applaudissements si vous le voulez bien, mesdames, messieurs. C'est tellement plus convivial. Avant qu'on commence, peut-être, si vous voulez bien, Patrick Faustier, rendre hommage à la cheville ouvrière de vos équipes. Un peu dépité ce soir, Michael Mauvais est là et il va vous amener le micro dans la salle. Mais on a aussi une pensée amicale pour Lise Jacquard, qui a tout préparé ce soir et qui nous abandonne. Elle nous regarde via le Facebook Live. Et on a envie de lui dire en votre nom, Patrick Faustier, si vous le voulez bien, et en votre nom à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs, qu'on ne l'oublie pas, parce que sans elle, eh bien, il n'y aurait pas de cérémonie. On l'applaudit bien fort et ça lui fera un grand plaisir. Allez, présentation des catégories, si vous le voulez bien. Il y aura tout d'abord le prix de l'artisanat qui récompense une activité artisanale en cœur de ville ou en centre-bourg ou en périphérie ou quartier de ville. Ça, c'est pour le prix, le trophée autour de l'artisanat, le prix du commerce. Celui-ci va récompenser un projet, une activité commerciale en cœur de ville ou en centre-bourg ou en périphérie ou en quartier de ville. Le prix du tourisme, là il s'agira de récompenser une pleine réussite innovante dans le domaine du tourisme. L'industrie, on récompensera à ce moment l'amélioration d'un produit destiné à la clientèle de l'entreprise, l'amélioration de l'outil de travail ou le développement de nouveaux process. Le prix service, pour récompenser la pleine réussite d'une activité de service. L'environnement, on en parlait peu il y a 20 ans, on en parle beaucoup maintenant et c'est très bien ainsi. Il s'agit là d'encourager et promouvoir les réalisations des entreprises
qui intègrent l'environnement et le développement durable dans les diverses facettes de leurs activités, produits et services. Et enfin, vous le savez, il y a toujours un petit gâté, un grand coup de cœur, pour le coup de cœur qui récompense l'entreprise remarquée unanimement par le jury et parmi les candidats. Voilà pour tous ceux qui vont être récompensés ce soir. Merci, mesdames, messieurs, de votre présence ce soir. Et nous allons essayer de rendre le moment le plus sympathique, le plus attractif, le plus décontracté possible. Oui, nous vivons dans un contexte pas simple. Certains d'entre vous sont masqués et on peut bien le comprendre. Pour ce qui me concerne, si je ne le fais pas, c'est parce que côté visuel et sonore, ce n'est pas super agréable. Mais pour ceux qui le font dans la salle, eh bien, ça se comprend parce qu'on a beaucoup à se plaindre et ce n'est pas les représentants de l'ARS qui sont présents ce soir qui diront le contraire, n'est-ce pas, monsieur ? Alors, donc vigilance, plus que jamais. On commence avec le prix de l'artisanat. Cette année, on va un petit peu changer les règles du jeu. D'habitude, c'est nous qui présentons votre structure. Mais là, on va vous laisser le choix. Soit on le fait nous-mêmes, soit vous allez le faire vous-même. Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà, il y a de l'interaction. Ça veut dire que, vous voyez, c'est la différence entre le virtuel et le réel. Quand il y a du réel, chacun se sent chez soi. Et c'est tellement plus sympa ainsi. On arrête les bêtises, on passe aux choses sérieuses. Les candidats pour le prix de l'artisanat étaient tout d'abord Jessica Montes, la dirigeante d'Au Jardin Secret. Madame Montes, est-ce que vous êtes là ? Bonsoir, madame. Voulez-vous, madame, présenter votre structure ou est-ce qu'on s'en charge ? Vous voulez la présenter ? Ça tombe bien. Mickaël, si vous voulez amener le micro à madame, elle va le faire. Elle est tout à fait d'accord, elle l'a matérialisé. Elle a dit, allez-y, c'est avec plaisir que je le ferai. Madame, vous savez, vous êtes libre de présenter ou de présenter votre entreprise. Nous vous écoutons, oui, Jessica. Pas de souci, merci. Alors, ben, nous, c'est Au Jardin Secret, donc je ne suis pas seule. Hein. J'ai mon équipe avec moi. Ouais. Donc, votre Magali, équipe est là. Vous voulez vous lever l'équipe de Magali. Jessica, s'il vous plaît ? Levez-vous, levez-vous. Julie, voilà. Voilà. Donc, nous, on est fleuristes et animatrices d'art floral. Voilà, on fait des fleurs séchées, on fait des créations, des transmissions florales, enfin plein de choses comme ça. Ouais. On travaille beaucoup aussi pour les associations. Ouais. On fait pas mal de choses et puis voilà. Je passe. Vous travaillez beaucoup sur l'apprentissage, m'a-t-on dit. Vous me le confirmez ? Oui, en fait, on est deux. On est en association, on est associés. Donc on est effectivement, on a une apprentie. Donc on fonctionne aussi avec l'apprentissage. Oui. On essaye aussi d'avoir un maximum, quand on peut, prendre des stagiaires. Donc on prend également les stagiaires de 3e des collèges, ouais, pour leur faire découvrir le métier et l'artisanat. Vous animez des ateliers de création florale et que vous décloisonnez, oui ou non ? Exactement. Vous savez, on sait tout, hein ? Vous savez tout. Grâce à Lise Jacquard. Ah oui. Ouais. Alors, elle a fait un travail exceptionnel. Elle nous a accompagnés dans le fonctionnement du projet, dans le développement du projet aussi. Ouais. Donc effectivement, nous faisons des ateliers d'art floral dans les maisons de retraite, les EHPAD, on va également dans les différentes structures. On a fait des ateliers au centre de réadaptation de Warnécourt avec les enfants handicapés. Super. Et puis voilà. Et vous êtes rayonnante et heureuse comme c'est pas permis. Exactement. C'est le ça. Pouvoir des fleurs, comme le dit la chanson. Exactement. Merci beaucoup, on va merci vous applaudir vous. Bien fort, merci à vous. Seconde entreprise autour de l'artisanat, madame Nadège Renard. Pour les bijoux de Nadège, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, merci. Et vous ? Oui, voilà. Donc moi, je m'appelle Nadège Renard. Je suis polymériste, c'est-à-dire que je suis artisan de la pâte polymère. Donc, vous venez en voisine, hein, vous êtes tout près, là. Mon atelier est à Ville-sur-Lume. À Ville-sur-Lume, c'est ça. Voilà. Donc ça fait 13 ans maintenant que je suis polymériste. Vous ne les faites pas, madame ? voilà. 13 ans et un peu plus. Donc très bien. Et donc, je suis arrivée dans les Ardennes il y a 10 ans. Et donc, je me suis installée à Ville-sur-Lume, où j'ai monté mon atelier là-bas, donc, où on peut découvrir un petit peu ce que c'est que l'argile polymère, ce que je donne des ateliers aussi pour enfants, pour adultes, pour personnes handicapées également. Et même des bijoux de mariage, non ? Je fais des bijoux de mariage. En fait, j'ai deux boutiques internet. Ouais. Une de bijoux fantasy, où vraiment, ça va être comme mes boucles d'oreilles, c'est-à-dire faire des bijoux en forme de papillon, de perles, des bijoux de mariage où je vais créer les parures en fonction des robes de mariée. Ou alors je vais faire aussi des cake toppers, des figurines en fait. On m'envoie des photos et je crée les figurines des personnes. Voilà. Si on a besoin de venir vous acheter de jolies choses, on vient chez vous, mais oui, on peut aussi aller ailleurs. On vient chez moi, on trouve à la boutique ardennaise à Charleville rue Bourbon. On me trouve aussi à l'office de tourisme,
Je suis à la gare de Douzy et aussi avec les petites bulles de créateurs. Tous les mois, il y a un marché artisanal. Donc, on ne parle pas assez, mais il y a de l'artisanat à Charleville-Mézières. Donc, tous les mois, au marché couvert. Voilà. Bravo, madame. Merci à vous. Eigul Djambekova, pour Eigulkova Maison de Couture. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, madame. Michael, voulez-vous bien passer le micro à madame? Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, moi, je suis créatrice de robes de mariée et de cérémonies. Jusqu'à présent, j'étais à mon domicile, donc j'avais mon atelier à la maison à Villesmeuse depuis un an. Et vous allez déménager? Et j'ai déménagé, là, ma boutique, elle a ouvert 23 rue du Moulin depuis 2 semaines maintenant. Donc, la première année, c'était assez impressionnant parce que durant cette année, j'ai pu créer aussi pour le Festival de Cannes 2 robes. Donc voilà, c'était assez particulier. Et maintenant, on a cette nouvelle aventure avec la boutique, plein centre-ville, grâce à Ardennes Métropole, d'ailleurs. Voilà. Donc, Monsieur Fossier est content au premier rang. Il en espérait pas moins, mais ça lui fait plaisir. Je le vois dans son regard malicieux. Vous ne faites pas que des robes de mariée, madame. Vous faites aussi pour les enfants? Exactement. Ce qui marche beaucoup aussi, c'est pour les baptêmes, pour les cadeaux de naissance. J'ai fait du 3 mois jusqu'à la femme qui a 82 ans, qui veut s'offrir une robe. Qui veut se marier. Qui veut... Pourquoi pas. Et puis, pour les invités, pour les demoiselles. Mais voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. La société Bi-Addict avec Elodie Bochniak. Est-ce que vous êtes là, Elodie? Vous vous appelez Elodie? Chapeau, monsieur. Chapeau, monsieur. Décidément, on savait, côté santé, je vois qu'il y a des spécialistes. Dieu que nous faisons des miracles dans la médecine. Bonsoir. Mais là, franchement, respect, monsieur, respect. Oui, ben, je vais remercier mon épouse de m'avoir confié la tâche de présenter son entreprise. Alors, je suis désolé, elle n'est pas là, elle est incarcérée depuis quelques jours. Ah ouais. Non, je plaisante. Pour alors, Covid, Elodie, non, pour l'histoire, COVID. Non, l'histoire d'Elodie, elle est particulière. J'y suis très attaché. C'est une reconversion professionnelle. Elle était instite, comme quoi tout se soigne. Et si, c'est vrai. Et voilà, elle est spécialisée dans la beauté du regard, extension de cils. Là, elle est partie en formation pour proposer de nouvelles prestations. Elle est aussi très attachée à la formation professionnelle, puisqu'elle a une apprentie. Et on a racheté l'ancienne bijouterie en rare. On a mis 1 an et demi à la rénover. C'est Place Marceau, hein, c'est ça? Oui, absolument. Dans le quartier de Mont. Donc, tout va bien. Elle fait les épilations de sourcils pour hommes aussi, hein, si ça vous intéresse. Moi, j'ai cru que vous alliez parler de cheveux et je suis susceptible. Non, j'aurais jamais osé. Mais bon. Voilà, donc je suis très fier d'elle en tout cas. Vous avez de quoi, monsieur. Nous, on est fiers de vous et on vous applaudit bien fort. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est vraiment plus sympathique quand les gens présentent leur structure. Hein. Simon-Pierre Villenay, comptoir d'Horizon. Monsieur Villenay. Oui, il est là, madame. Vous avez raison, il est là. Non, il est pas là. Je suis son frère. Voilà, donc Simon-Pierre, c'est mon frère. C'est un artisan bijoutier qui fabrique des bagues ou des boucles d'oreilles à partir de pièces de monnaie de toute origine, de toute date. Il a son atelier dans une boutique qui est située rue Irénée Carré, une boutique qu'il partage avec Rimbaud Suite. Il est parti de Valence il y a 1 an pour nous rejoindre Charleville-Mézières pour monter sa boutique. Il vend aussi bien sur Internet que physiquement au centre-ville de Charleville-Mézières. Il fait également le salon tous les mois. Les bulles, les petites bulles, voilà, et vous le trouverez aux petites bulles également. Décidément, il n'y a pas que de santé que vous parlez bien, vous. Hein. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, le bronze, l'argent et l'or. Et pour remettre ces trophées des entreprises autour de l'artisanat, j'appelle monsieur Paris, le vice-président de la Chambre de métiers des Ardennes. Venez, monsieur. Si vous voulez, vous prenez le micro qui est là, parce que on m'a dit de ne pas le toucher. Alors, vous voulez annoncer le palmarès, monsieur? Si vous voulez, le palmarès du bronze, c'est là. Merci. Ici. Alors, le bronze. Ah, c'est dans l'enveloppe. Ah, c'est dans l'enveloppe, parce que là, on montrait la réponse quand donc même. Donc, ce n'est pas les mêmes qu'on a là. D'accord. Alors, on ouvre l'enveloppe, comme dans les grandes soirées.
Il n'y a pas d'huissier, non? C'est marqué ici, monsieur. Voilà. Alors, le trophée de bronze est décerné à Maison de Couture. Merci à vous, madame. Je ne sais pas ce qu'on peut toucher. Écoutez, voilà. Touchez le moins possible. Voilà, posez ça tranquillement. Vous pouvez le prendre voilà. Quand même. Écoutez, moi, je ne suis pas de médecin. Et donc, vous faites tout ce que vous voulez. J'estime. Félicitations. Hein. Vous êtes contente? Ah, mais je suis contente et surtout fière. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, madame. Restez à côté de nous parce qu'après, on ira de ce côté là-bas rejoindre la dame habillée en zèbre pour faire une belle photo avec tous les trophées. Mais ça lui va tellement bien que je ne résiste pas. L'argent, si vous le voulez bien. Donc, il faut ouvrir l'enveloppe. Hein. C'est plus fort que moi. Hein. Pour l'argent, monsieur Paris, si vous le voulez bien. Alors, l'argent est décerné aux bijoux de Nadège. On va vous remettre un beau trophée, madame, pour vos jolis bijoux. Donc voilà, je le pose parce que... Et si vous voulez dire un mot, vous pouvez le faire tout de suite. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est un... Je suis pour rien, moi. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous, madame. Merci. La petite photo aussi, si vous voulez bien, sur la droite. And the winner is, et le gagnant est, en tout cas, la médaille d'or. On fait durer un peu le suspense. Alors, le trophée d'or est décerné à Biadic. Vous allez toutes et tous pouvoir observer de face Elodie. Alors bah, je suis hyper fier d'elle. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a mis beaucoup d'énergie. On s'est installé volontairement dans le quartier de Mont, qui est, auquel nous sommes très attachés. Nos voisins les fleuristes, là-haut, ça y est, je viens de percuter, il me faut du temps, hein, je ne suis qu'un homme. Voilà, je suis hyper fier d'elle. Merci Elodie, merci. Et prenez-lui son trophée. Un petit mot, si vous voulez, hein, monsieur Paris. Non, nous, on remercie donc la communauté de communes pour monsieur Faustier et son maire, monsieur Ravignon, pour avoir récompensé les artisans. Et sur le domaine de la communauté de communes, eh bien, nous sommes présents et nous avons beaucoup d'artisans. Donc, félicitations à tous et félicitations à tous les artisans qui travaillent sur le secteur. Merci à vous, monsieur Paris. Merci bien. On passe maintenant au prix autour du commerce. Et on va commencer avec la lunetterie Rimbaud, Valérie Marage. Est-ce que vous êtes là, madame? Vous avez de jolies lunettes, madame. Je ne sais si c'est un hasard, mais en tout cas, vous les avez bien choisies. Mais peut-être y a-t-il une relation de cause à effet, non? Il y a une belle relation de cause à effet. Oui, pour cause? Pour cause, j'adore la lunette. Je trouve que c'est un bel objet. Et je trouve qu'en France, on a de très beaux créateurs qui fabriquent dans le Jura, en région parisienne, en Alsace, en Bretagne, un peu partout. Et l'idée, c'est de mettre ces artisans français à l'honneur et de faire des choses créatives et qui révèlent beaucoup de caractère. À travers une paire de lunettes, on peut révéler plein de choses. L'idée, c'est de trouver la paire de lunettes qui correspond le mieux à la personnalité. De la voilà. Qualité de produit, mais nous nous sommes laissés dire que vous aviez apporté un soin tout particulier à la qualité de l'accueil et aux soins de votre boutique. Oui. En fait, on aime les gens, donc on les accueille comme si c'était de la famille. Ouais. L'idée, c'est que tout le monde se sente bien et qu'on soit à l'aise et de créer un lieu de vie aussi à travers une boutique. Et que, voilà. Et que tous vos clients aient d'aussi jolies lunettes que vous, c'est bien ça? On essaye. Vous essayez. Il faut juste qu'ils osent après. Vous réussissez, madame, vous réussissez. Merci, merci à vous. Merci. La lunetterie Rimbaud, Valérie Marage, merci à vous. Ah, on va changer d'horizon complètement. On va parler Escape Game avec Illusion. Est-ce que monsieur Sofiane Zogby est là? Bonjour Sofiane. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah, très bien, très bien. Très très bien. Un petit mot de présentation sur votre Escape Game situé Courbriant, c'est ça? C'est ça, on est en plein milieu du Courbriant. Du coup, pour l'Escape Game, pour les personnes qui ne connaissent pas, le but, c'est à la fin de la partie, avoir perdu pas mal de cheveux et de résoudre un... N'insistez pas trop quand même, monsieur. Hein. Ouais, au début, ça fait sourire, après, c'est de la persécution. Hein. Désolé.
Non, le but, c'est d'arriver en équipe, alors que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues, de passer une heure dans nos locaux en train de résoudre un maximum d'énigmes et un maximum d'étapes pour réussir leur mission. Les particuliers, mais pas que. Hein. Mais pas que. Il peut y avoir des professionnels, vous c'est organisez ça, d'autres c'est choses ça. On a une partie du coup particulière et une partie professionnelle où on organise et on crée des escape games ou des choses comme ça sur mesure. On a eu l'occasion de travailler avec la Cité de l'Emploi à Sedan où on a créé l'escape game pour l'emploi où le but c'était de réunir recrutés et recruteurs autour d'un escape game et on passe le côté un peu face à face d'un entretien habituel et on apprend à se connaître autour d'énigmes et on observe la réflexion de chacun. Et bientôt une salle Escape Game dédiée aux personnes en situation de handicap. C'est ça, là on est en plein dedans, on s'est lavé les mains juste avant parce qu'on avait plein de peinture encore. Donc on travaille là-dessus afin que tout le monde puisse profiter de l'Escape Game et on est en plein dedans et on espère pouvoir le sortir d'ici un petit mois. Tout en respectant les consignes pour accueillir ces personnes-là. Merci à vous, jeune homme. Merci, merci beaucoup. Le Faubourg de Pierre à Charleville-Mézières, c'est pour l'adresse. La dirigeante, c'est Marion Zarot et l'entité, c'est au Faubourg Gourmand. Madame Zarot, vous êtes là ? Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez nous donner l'eau à la bouche. Ouais, j'essaye. On vous écoute. Donc je donne des cours de cuisine et de pâtisserie pour enfants, adultes, avec des clients qui sont des clients particuliers, des entreprises, des associations. Et également des ateliers œnologie que je fais en partenariat avec Geoffrey Chrétien, qui tient la cave le maître d'école. Et donc c'est une aventure qui a débuté il y aura 8 ans au mois de juin. Et ça va ? Ça va. Vous êtes épanouie et heureuse. Ah mais c'est un changement de vie total, donc c'est... un choix un peu risqué, mais qui vous procure assuré. Beaucoup de plaisir. Beaucoup. Merci, madame. Merci. L'été dernier, il avait inauguré un magasin flambant neuf. C'était à Charleville-Mézières. Il faisait beau, il faisait chaud, comme tous les jours. Adresse, boulevard Louis Aragon. Le dirigeant, c'est Eric Coulot, c'est Promocash Charleville. Et Eric, vous êtes arrivé, je vous ai vu. Très bien, on va aller au fond, à gauche, là-bas. Voulez-vous lever, Eric, s'il vous plaît, parce que vous êtes un grand homme, par la taille. Et par le talent, vous allez nous le prouver maintenant. Bonsoir, Eric, comment allez-vous ? Bonsoir à tous. Salut, Bruno. j'ai repris le magasin Promocash, qui est à Cachin-Carry, un grossiste alimentaire, au mois de juillet 2019. Et effectivement, on a eu l'occasion, avec Bruno... hein, d'orchestrer l'inauguration de ce magasin en septembre 2021. Et puis pour le coup, c'était une journée où il a fait particulièrement beau. Et tout le monde comme a toujours envie de se retrouver à boire un coup et puis manger quelques bons produits tous ensemble. Ouais. Vous apportez un soin tout particulier à la qualité et aussi à la diversité chez Promocash. Alors effectivement, le magasin, après avoir fait un petit diagnostic au moment de la reprise, le magasin a été complètement repositionné au niveau de son offre. L'objectif étant de satisfaire les attentes de l'ensemble des professionnels des métiers de bouche, puisque la clientèle, c'est l'ensemble des restaurateurs, traiteurs, les associations également, mais tous les professionnels peuvent venir s'approvisionner dans ce magasin. Il est ouvert à tous, à l'exception du particulier, sachant que pendant la période du Covid, il y a une petite entorse à ce point-là, puisque le gouvernement nous a, pas réquisitionné, mais demandé d'offrir ce type de service aux particuliers qui étaient en train de faire des longues files d'attente devant la grande distribution classique. Merci à vous, Eric. Merci. Bravo à vous. Bonne soirée. On quitte la périphérie Carolo-Masserienne pour revenir dans le centre-ville, plus précisément au 25 rue Bourbon. La dirigeante est Marie Ferrette. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher. Je ne sais pas si c'est Aco ou Acuolina. Aco. Très bien. Eh bien, Marie Ferrette, vous voulez bien nous présenter cette société qui est vôtre ? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ben, ça va très bien. Donc, j'ai ouvert mon magasin de prêt-à-porter féminin, accessoires de mode également, foulards, sacs et bijoux. Et c'est des collections éphémères. Donc, du coup, j'ai des nouveautés tous les mois,
Ça permet de m'adapter aux clients, de les chouchouter et d'avoir des pièces uniques également. C'est-à-dire que quand on a les vêtements chez soi, au bout d'un mois, ils disparaissent, c'est ça? Non, pas vraiment. Hein. C'est dans la boutique. On peut les garder. Très bien. Ok, et des nouveautés tous les mois? Tous les mois, oui. Ouais. Je me déplace et je vais chercher des petits créateurs italiens. Ah. Et, voilà, du coup, Alors, c'est vrai que la franchise a ses avantages et ses inconvénients. Et parmi les inconvénients, j'ai justement une forme de standardisation. Vous êtes une artiste, hein, quelque part. Hein. Voilà, je change régulièrement, j'aime bien. J'essaie de trouver des petites pièces uniques pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Ferrette. Merci. Merci. On va repartir autour des métiers de la bouche et de la gastronomie et du bien-être et du plaisir. On va 7 rue Irénée Carré à Charleville-Mézières avec Emmeline Palmo-Antiope pour Amazonia Sandwich. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc Amazonia Sandwich donc, a été créé en 2021, donc c'est tout fraîchement. Donc en fait, c'est principalement des sandwichs en fait, des recettes guyanaises, parce que je suis d'origine guyanaise. Ah, donc en fait, je ne fais pas que des sandwichs, il y a des plats chauds aussi. Et il y a des apéritifs, et il y a le côté aussi épicerie, donc tout ce qui est petits panches, rhum, etc., etc. Et puis bientôt l'été, il y aura des glaces, coco, cacahuètes, etc., etc. Mais c'est le but, en fait, dans les Ardennes, un petit peu de soleil, un petit peu de fraîcheur, de nouveauté. Je pense que ça fait du bien. Pouvez-nous reprononcer le mot soleil, parce que vous ne le prononcez pas comme tout le monde, vous. Hein. Soleil. Voilà. Ça se sent tout de suite que vous êtes une spécialiste. Merci, madame. Merci à vous. Vous connaissez le soleil. Promenade maintenant à Sedan, 3 à 5 rue Carnot, avec Aurélie Rigaud de chez Chouchoute. C'est vous qui la représentez? Ah bien, allons voir la jeune dame blonde qui va évoquer cette boutique. Elle est souffrante, hein, je crois. Oui, mais elle va bien, elle va bien, rien de grave. Elle va bien. Oui, oui, vous très bien. Donc je bonsoir, Twiggy. Aurélie, ce soir. Bonsoir. Alors, on a ouvert le concept chez Chouchoute. Aurélie a eu l'idée l'année dernière, enfin même maintenant, il y a 2 ans, d'ouvrir un concept un peu complètement décalé en fait à Sedan, où on a une partie restauration japonaise. Donc notre cuisinière Ena, qui vient du Japon, prépare sur place des plats. Et on a aussi de l'autre côté la partie friperie vinyle où on peut essayer des vêtements, écouter des anciennes musiques et on peut aussi manger sur place. Alors ça semble un peu anachronique, mais ça marche bien. Ça marche bien, ça plaît, ça change. Voilà, on est ouvert de 9h à 19h non-stop, donc on a du passage. C'est un climat, un lieu de vie, un lieu d'échange, c'est ça? On échange beaucoup, on adore les clients. Puis c'est toujours sympa de voir un peu les nouvelles personnes parce qu'on a vraiment toutes les générations qui viennent parce que les vinyles, ça revient beaucoup. Donc on peut avoir des jeunes comme des personnes des anciennes générations qui reviennent un peu fuinées. Oui. Merci voilà. Beaucoup Twiggy, merci à vous. Pour remettre le prix du commerce, ce soir, je vous demande d'accueillir le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, M. Aubin Janteur. Micro, si vous voulez, Aubin. Un petit mot d'accueil, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Je remercie Boris, je remercie Patrick, je remercie Ardennes Métropole de nous associer une fois de plus, la Chambre de commerce, à cet événement. La création d'entreprise, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Vous êtes tous ici, vous sourire aux lèvres. Moi, je vous félicite. Pourquoi? Parce qu'en fait, créer une entreprise, c'est avant tout quelque chose de passion. Mais comme il vient d'être dit, c'est aussi quelque chose de risqué. Et on sait que souvent, les Français, peut-être, nous tous, nous sommes averses au risque. Quand on prend un risque, c'est vraiment qu'on y croit. Et je trouve que créer une entreprise, c'est quelque chose de magnifique. Créer une entreprise dans un territoire dont on dit parfois qu'il n'est pas aussi beau que nous le pensons, c'est quelque chose d'encore plus beau. Je suis ravi d'être là au titre de la Chambre de commerce parce que notre rôle, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur phase de création jusqu'au moment où un jour, peut-être, elles seront cédées. Et je trouve que c'est un moment particulièrement important et je suis ravi aussi en tant que commerçant, en tant que chambre d'entreprise, je sais ce que c'est, de remettre maintenant les prix, de récompenser. Alors, je pense que vous êtes tous récompensés, ne serait-ce que déjà en étant là et en créant votre entreprise, et de récompenser plus particulièrement ceux qui auront été choisi, et je commence par le prix de bronze.
vais pas me cacher. Je leur ai décerné donc le trophée de bronze à l'Illusion Escape Game. Un petit mot ? Je vais le tenir pour... oui, parce que je vous explique. Il y a une pandémie autour du Covid, vous voyez. Ça vient d'arriver, c'est trois fois rien. Ben, merci beaucoup pour le trophée. Alors, je tenais à remercier mon petit frère qui est actuellement avec des clients et qui est sûrement en train de donner des indices. Ouais, et qui aurait aimé être là, mais bon, il faut quand même faire tourner la boutique, donc je le remercie grandement. Je les remercie aussi grandement Ardennes Métropole qui nous a beaucoup, beaucoup aidés lors du démarrage. Donc, merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Patrick Faustier sourit en disant « Ah, ce soir, c'est ma fête ». Ça n'est pas la Saint-Patrick, hein, pour autant. Mais c'était il y a quelques jours. Merci beaucoup. Je n'ai pas le droit de vous embrasser, mais le cœur y est. Félicitations. La petite photo sur le côté, si vous le voulez bien, Aubin. Alors c'est un autre petit bout de France que nous allons mettre à l'honneur maintenant pour le trophée d'argent. Et j'appelle Amazonia Sandwich pour le trophée d'argent de la catégorie commerce. Allez, redonnez-nous un peu de soleil. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Et la petite photo. La cuisine reste à l'honneur. Et j'appelle pour le trophée d'or le Faubourg Gourmand. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous dise... Tournez-vous parce que... Vous voulez que je vous dise ? Vous avez l'air heureuse. Très. Surprise et heureuse. Et ça va comme ça ? On s'arrête là ? Oui, je crois. Ouais. Allez, on y va. Allez-y. Regardez. Vous avez dit qu'entreprendre était un risque. Et si le risque, c'est ça, je vous le remets avec plaisir. Merci. Félicitations. Merci, Aubin Janteur. On quitte le commerce pour le tourisme. 36 rue de Montjoly à Charleville-Mézières, Enza Monti pour Rimbaud Suite. Vous avez décidément toutes les casquettes, vous, ce soir. En effet, merci. Donc toujours Nicolas Villenay, je suis avec Enza Monti. Qui est donc à côté de moi. Et c'est vrai que... Donc, un mot sur Rimbaud Suite, qui est une entreprise qui fait du meublé de tourisme 4 et 5 étoiles sur le centre-ville de Charleville-Mézières pour son activité principale, mais accompagne également les propriétaires qui veulent mettre en location leurs biens. Et également, c'est une boutique aux rues René Carré où nous vendons des produits souvenirs et nous accueillons à la fois les propriétaires, mais également les clients des logements de tourisme. Et pourquoi Enza Monti ? Parce que Enza, qui aujourd'hui fait un master en communication et tourisme, c'est elle qui, au quotidien aussi, assure la relation avec les clients, qu'ils soient propriétaires ou pour les appartements. Voilà. Parfait, merci monsieur. Et pour terminer autour du prix du tourisme, un célèbre jeune homme que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'appelle Sébastien Pinson, il sévit au 75 rue Forest à Charleville-Mézières et son établissement porte quasiment le même nom, à savoir le 75 Forest Avenue. Bonsoir jeune homme. Bonsoir Bruno. Voilà donc le 75, inauguré le 11 octobre 2013, n'est-ce pas Bruno ? On avait des cheveux tous les deux, tu te rappelles ? T'en avais un peu plus en tous les cas. voilà, donc c'est un établissement de réception pour à la fois les entreprises, les associations, mais également les cérémonies privées. On organise également pas mal de spectacles, de pièces de théâtre.
de soirées diverses, dansantes, également le week-end. L'été, plus précisément, on va avoir bien entendu toutes les cérémonies privées, les mariages, tout ce qui va être baptême. D'ailleurs, je vous invite tous ce soir à venir. Nous avons une pièce de théâtre extraordinaire, ça s'appelle La guerre des sexes. Voilà, c'est tout un programme. C'est à 20h30 au 75. Voilà. Ce que vous faites très bien aussi, m'a-t-on dit, c'est les groupes de reprise, ce qu'on appelle les covers ou les tributes. Ça, c'est une vraie spécialité de la maison. Hein. Oui, en fait, la semaine dernière, on a fait un CDC, 600 personnes, rien que ça. Et la veille, c'était un tribute de Dépêche Mode, donc également 600 personnes. Voilà. Ah ouais, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Tout à fait. Merci à vous, monsieur Sébastien Pinson. Pour remettre le prix du tourisme, je demande au vice-président d'Ardennes Métropole en charge du tourisme d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre. Quelqu'un qui ne nous fera pas concurrence en termes de chevelure, monsieur Franck Marco. Vas-y. Merci Bruno. Bonsoir Franck, ça va ? Bonsoir, oui, tout à fait. Alors, un petit mot peut-être, non ? Oui, alors un petit mot. Le tourisme est le petit nouveau là, du trophée des entreprises. D'ailleurs, je tiens à remercier donc Ardennes Métropole, vice-président à l'économie. C'est vrai qu'au niveau de la commission, on avait envie de positionner aussi le tourisme comme une activité économique. Et puis, notre agglomération a une vraie ambition en matière de tourisme. On a voté il y a quelque temps un schéma de développement touristique avec une volonté qualifiée de structurer l'offre touristique, aussi d'augmenter un peu comme une obsession la durée de séjour des visiteurs, hein, que ce soit des touristes, aussi augmenter effectivement, et aussi de développer l'offre en matière d'hébergement touristique. Ça, c'est le premier point. Et puis, on a aussi envie, avec l'Office de tourisme, qui est le bras armé du développement touristique, d'être aussi là pour tous les acteurs, pour tous nos adhérents, pour tous les prestataires touristiques, et aussi de leur proposer un certain nombre de services, parce que je pense que le tourisme et l'économie touristique est porteuse pour notre département et doit l'être encore plus demain. Donc voilà. C'est une volonté, une ambition importante, donc que le tourisme soit vraiment là pour le développement économique. Merci Franck. On procède maintenant à la remise des trophées. On commence par le trophée argent. Alors, le trophée argent est décerné donc à une structure que je connais bien. Donc une structure qui effectivement développe une activité meublée de tourisme. Donc c'est Rimbaud Suite. Donc Nicolas et Enza. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour remercier Ardennes Métropole qui nous a également aidés lorsque nous avons créé la boutique rue Irénée Carré. Donc merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour dire que parmi nos appartements, nous en avons un qui est totalement accessible pour les personnes à mobilité réduite et tout handicap, aussi bien sensoriel que psychique, et donc dans ce cadre, accepte également les animaux de compagnie. Donc c'est pour vous dire que non seulement nous souhaitons mettre à l'honneur les Ardennes en faisant du premium, mais aussi en accueillant toute personne indépendamment de leur situation. Merci beaucoup pour cette récompense qui nous fait très plaisir. Bravo, 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 toutes les visitations, voilà. Il y a moins de suspense. Oui, à ce moment de la soirée, Sébastien se dit, c'est peut-être moi. Dieu que tu es perspicace. Donc une belle activité autour de l'événementiel et du tourisme d'affaires aussi, qui a souffert avec cette crise sanitaire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous remettons donc le trophée or au 75 Forest Avenue. Bravo Sébastien. Alors le suspense était insoutenable, en effet. Merci, hein, mais je pense que vous avez raison en plus hein, de nous donner le trophée d'or, donc merci. Un petit mot quand même, c'est vrai que par rapport à Ardennes Métropole, je voulais remercier Ardennes Métropole, pourquoi ? Parce que pendant le Covid, même si c'était pas des grosses sommes, ils nous ont aidés. Vous avez aidé les entreprises en difficulté comme nous, parce qu'effectivement, pendant un peu plus d'un an et demi, ça a été très compliqué. Et d'avoir Métropole qui nous envoie un petit mail en nous disant, voilà, on peut
éventuellement vous donner une subvention auquel j'ai eu le droit. Voilà, bon, ça fait plaisir. On voit que la ville et Ardennes Métropole étaient présents, nous ont aidés. Donc. Et vous a remis 10 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Donc merci Ardennes Métropole. Monsieur Faustier ne plaisante pas avec les affaires. Bravo. Bravo à vous, Sébastien, et ça fait du bien, effectivement, d'avoir ces moments. Merci à vous, merci Franck. On enchaîne avec l'industrie, si vous le voulez bien, quatrième catégorie. Nous allons à Tournes. Il y a un ami qui s'appelle Larsen qui vient de s'inviter à ce moment, mais il va disparaître avec les mains de maître de Brice. Voilà, c'est réglé. BJ Industrie, Ulrich Haumüller. Est-ce que vous êtes là, monsieur Haumüller? On y va avec vous. On peut peut-être baisser un tout petit peu le master, si vous le voulez bien, Maître Brice. Voilà, vous êtes parfait. Si vous n'êtes pas la perfection, vous en approchez. Monsieur Haumüller, guten Abend. Guten Abend. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'honneur de piloter depuis un an et demi l'entreprise BJ Industrie. C'est une entreprise qui a presque 35 ans, que j'ai repris de Paul Jaunet. Je suis entouré d'une superbe équipe de 6 personnes et en fait on conçoit, construit, installe et met en service des usines pour le recyclage de batteries. Donc la particularité est qu'on est très tourné vers l'international, excusez-moi. Parce qu'on a vendu des équipements à peu près dans 35 pays. On fait entre 93 et 95% de notre chiffre d'affaires à l'export. Pour autant, vous faites travailler des entreprises ardennaises et des entreprises du Nord-Est, n'est-ce pas? Presque exclusivement, on s'appuie sur une équipe de sous-traitants, des entreprises partenaires, surtout dans les Ardennes, dans l'Est de la France, dans le Nord de la France également. Merci à vous, Monsieur Haumüller. Merci beaucoup. On va voyager rue des Sources à Charleville-Mézières, la société Dosso avec Stéphane Valkiewicz, l'homme qui n'a jamais de coup de pompe. Est-ce que vous êtes là, Stéphane? C'est vous qui le représentez. Très bien. Allez-y. Quel est votre nom, votre prénom, maître? Stéphane Delange. Très bien. C'était pareil. Allons-y. Donc je représente l'entreprise Dosso. Ouais. Et bah nous, ça fait 70 ans qu'on existe. Et là, on a diversifié sur la réparation des moteurs brushless. Ouais. Les moteurs qui sont dans les commandes numériques, tout ça. Avec la maintenance, la réparation. Parce que tout le monde pense que les moteurs brushless, c'est une durée illimitée. Mais bon, les roulements, ils vont les changer de temps en temps. Donc on a créé des bancs d'essai, on a créé tout ça pour augmenter notre activité. Et tout va bien? Tout va bien. Pas de coup de pompe. Pas de coup de pompe. On est à fond. Très bien. Merci à vous. On va rester presque dans la même famille, toujours à Charleville-Mézières avec Yann Dosso pour Française d'Induction. Yann, bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va, ça va. Donc la société Française d'Induction qui refait tout ce qui est bobine de four pour les forges et puis les fonderies. Donc on travaillait au début surtout avec le bassin des Ardennes. Mais bon, maintenant on travaille aussi partout en France. Vous avez grandi? Un petit peu. Un petit peu. Grandi de la taille de la corps société ou moi-même? Les deux, maître. Les deux. Activité secondaire, vous réparez, vous vendez des générateurs également? C'est ça. Dans la France entière aussi? Dans la France entière. Donc, à la base, on refaisait toute la partie puissance, là où il y a le métal qui chauffait. Et on a aussi développé toute la partie qui était externe, donc la partie onduleur, où il y avait toute la partie générateur. Merci à vous, Yann. Merci beaucoup. Pour remettre ce prix industrie, j'appelle Monsieur Thierry Collet, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Monsieur Collet, vous êtes le bienvenu, si vous voulez vous saisir du micro, peut-être nous dire quelques mots, si vous voulez bien, Monsieur Collet. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Je voulais remercier donc Ardennes Métropole pour, je dirais, cette organisation. Remercier également le Boris Ravignon, Patrick Faustier également. C'est sympa de penser à l'industrie. Les Ardennes, on en a besoin.
On a un beau territoire, on a des industries très performantes. Donc merci pour tout ça. Merci à vous, monsieur. Alors, il y a... pourquoi est-ce que vous avez deux trophées en même temps, monsieur Collet? Parce que, il y a deux ex-aequo. C'est rarissime, mais là, c'est le cas. Il n'y aura donc pas de bronze, il y aura double argent. Alors, pour la première, on va ouvrir. Les deux sont dans la même enveloppe. Les deux sont la même. Ah, ce sont de grands professionnels, Ardennes Métropole, vraiment. Alors, dans la catégorie industrie, le trophée argent est décerné à deux entreprises, Dassault SAS et Française Induction. Allez, venez les cousins. Comme ça, ce soir, vous ne vous battrez pas à la maison. Qui s'exprime? On est voisins. Merci à tous. Merci pareillement à tous. Très bien. Eh bien, on va vous remettre les trophées. Allez-y, monsieur Collet. Vous les prenez comme vous le souhaitez. Bravo à vous. Félicitations. Félicitations. Merci, monsieur Collet. On fait une petite photo là-bas, si vous le voulez bien, en famille. Eh bien, on va passer à l'or maintenant. Donc, pour le trophée or. Donc, dans la catégorie industrie, le trophée or est décerné à BJ Industrie. Herzlich willkommen, R.A. Müller. Je connais que ça, hein. Rien d'autre. Mais je l'ai appris exprès pour ce soir. D'accord. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici et très content aussi de gagner ce trophée. Je dois dire, ça fait même pas 2 ans et demi que j'ai mis pour la première fois le pied dans les Ardennes. J'étais jamais ici avant. Je suis resté pour l'entreprise et on est très bien accueillis ici, très bien soutenus. Je suis content d'être là. Merci encore. Merci. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur Collet. Voilà pour l'industrie. On va enchaîner avec les services, si vous le voulez bien, immédiatement. Allez, 2 bis rue Noël à Charleville-Mézières. Je crois qu'ils sont au fond de la salle, toujours aussi discrets. Mathieu Gigot et Baptiste Cantigno pour AFR Financement. Levez-vous, messieurs, quand vous applaudissez et qu'on vous amène le joli micro. Bonjour à tous. Alors, nous sommes. Vous êtes des hommes d'argent, vous, hein? Oui, disons qu'on est là pour en faire gagner, comme dit mon collègue. Écoutez, nous sommes courtiers en crédit et en assurance de prêt, donc on fait beaucoup de crédit immobilier, du crédit professionnel également, crédit conso, rachat de crédit, restructuration de crédit. Et nous sommes basés effectivement rue Noël, à côté des cafés OC, et on a commencé l'aventure pile poil avec Mathieu il y a 5 ans, à quelques jours près, et nous sommes aujourd'hui une équipe de 7. Voilà. Et vous vous spécialisez actuellement vers la défiscalisation, c'est bien ça? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein? Non, là, très peu, on fait surtout beaucoup Rassurez-vous, monsieur, à la maison, j'entends non tout le temps. Donc si je l'entends ce soir ici, je suis chez moi. Hein. Non, on fait surtout beaucoup de crédit immobilier et d'assurance de prêt. Voilà. Effectivement, après, on est sous un réseau de franchises où ça se développe un petit peu. Et on fait effectivement, il y a une branche qui fait de la gestion de patrimoine. Très bien. Donc voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Deux rue du Relais à Charleville-Mézières, Mélanie Renard pour Administra Service. Vous êtes là, Mélanie? Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, ma société est spécialisée dans toutes les démarches après décès. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans en me rendant à domicile chez les familles endeuillées. Je travaille aujourd'hui avec 8 agences de pompes funèbres dans les Ardennes. On vient de signer un partenariat avec 250 agences dans toute la France et un partenariat en exclusivité avec une grande compagnie d'assurance dans les contrats obsèques pour intégrer cette prestation. Donc je suis fière aujourd'hui de pouvoir proposer un service à domicile pour les Ardennais, puisque c'est les seuls qui ont cette chance, dans le reste de la France et par téléphone bien sûr. Et on a besoin dans ces moments-là de beaucoup d'écoute et de douceur. Hein, c'est bien ça. J'ai pas eu trop de chance parce que j'ai créé ma société 2 semaines avant le Covid.
Aïe. Donc beaucoup pensent que le Covid m'a aidée, pas du tout. Pas du tout, je le dis, puisque j'ai pas pu démarcher comme j'aurais voulu, mais on a tenu bon et aujourd'hui, malgré tout, on est là. Et aujourd'hui, ça va. Et ça va très bien. Plein de bonnes choses à vous, madame. Merci. Merci. On va rajeunir un petit peu le moment, si vous le voulez bien. On a parlé des seniors, on va aller plutôt vers les tout jeunes maintenant, vers les jeunes enfants, à Floin, pardon, rue des Écoles, avec Ophélie Florin. L'entreprise s'appelle le Royaume des Tout-Petits. Est-ce que vous êtes là, Ophélie? Elle est partie garder les enfants. Finalement, c'est la meilleure des raisons. Ophélie n'est pas là. Eh bien, nous enchaînons comme si de rien n'était. Tiens, avec des voisins. 6 rue de Rolimpont à Jarnel. La société s'appelle Dispono et la dirigeante, c'est Laura Legin. C'est Legin ou Legain? Legin. Bonsoir madame. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, moi c'est Laura Legin et j'ai créé Dispono. C'est une application pour permettre aux personnes débordées de suivre un programme pour alléger la charge mentale. Et Dispono, c'est surtout l'histoire d'une maman qui se sent débordée par le quotidien, qui n'est pas épanouie et qui est prête à quitter son mari et son fils parce qu'elle se dit bah, « je ne les rends pas heureux » et c'est mon histoire. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage, j'ai des bases pour apprendre à m'organiser, et pourtant, je ne suis pas une maman épanouie. Donc, j'ai fait un travail sur moi, j'ai été accompagnée. Et du coup, c'était en 2016, après mon BTS tourisme. Bonjour, monsieur Marco. Et du coup, en 2018, j'ai créé ma première structure qui s'appelait Elle Organise, qui était des missions de rangement au domicile des particuliers. Et au fur et à mesure que je rencontrais des mamans, c'était toujours, tu as des astuces pour les repas, les finances, pour déléguer des tâches à au mari, aux enfants. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour les accompagner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans leur mettre la pression. Et du coup, je me suis inspirée des applications de régime et de sport. J'ai postulé à l'incubateur Rimbotech en septembre 2019. Et depuis, je suis accompagnée par Rimbotech pour monter la structure et officiellement disponible en vente depuis le mois d'août. Et c'est une belle aventure parce que je fais partie des 100 femmes entrepreneuses d'Orange qui ont été sélectionnées à travers toute la France. J'ai eu la chance de rencontrer le président de Google France il y a encore 2 mois. Donc, être une start-up dans les Ardennes, c'est complètement possible. Et être maman entrepreneuse également. Donc, voilà. Tout commentaire après ça semblant superflu. On va s'arrêter là et bravo à vous, madame. Juste ça. 16 rue du Petit Bois à Charleville-Mézières. Peut-être qu'on peut un tout petit peu baisser le master si vous le voulez bien, parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile à gérer, parce que en fait, pour tout vous dire, il y a des gens qui tiennent le micro un peu plus loin, donc ils sont obligés de pousser un petit peu, et d'autres un peu moins. Donc, mais ça va s'arranger. La jeune dame là-bas et Brice sont aux affaires. Tout va rentrer dans l'ordre. Laurent Forget de la rue du Petit Bois à Charleville-Mézières. Eh bien, il dirige là-bas la société Janus. Vous êtes là, monsieur? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, petite précision, je ne suis pas le dirigeant, je représente mon dirigeant qui est André Dupont. Voilà. Je suis le responsable du développement au sein de Janus à Charleville. Très bien, monsieur. Donc, pour vous expliquer en résumé ce qu'est Janus, c'est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc, complètement différente d'une entreprise temporaire de travail temporaire classique, puisqu'on s'adresse à un public exclusivement issu de l'insertion professionnelle. Donc on donne une chance en gros à des personnes qui n'en ont pas toujours eu dans la vie, et on permet aussi à des entreprises de répondre à une problématique, on va dire, de recrutement. Donc on propose un parcours de formation, d'accompagnement socio-professionnel à tout ce public, et ce qui permet de sécuriser leur parcours, de revenir vers l'emploi et le marché classique du travail. Donc c'est un petit peu notre mission. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il y a peut-être un peu plus de plaisir quand on réussit, non? Tout à fait. Humainement, c'est des belles histoires qui s'écrivent. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous. On va parler immobilier, achat, vente, investissement, etc. avec une agence qui se tient 39 avenue Forest à Charleville-Mézières, Romain Descaro. Est-ce que vous êtes là, Romain? C'est vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir, monsieur. Agence immobilière Tout Habitat, que j'ai créée du coup en 2007, il y a un peu plus de 15 ans. On est 10 collaborateurs, donc j'ai une partie de mon équipe qui est avec moi ce soir. On fait principalement de l'achat, de la vente, de la location, de la gestion locative. On a créé un pôle investissement avec Tout Habitat Investissement, et on suit nos investisseurs vraiment de A à Z, avec le suivi de chantier sur les travaux, avec Tout Habitat Travaux.
Et voilà. Pour vous dire, et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Et l'immobilier, c'est pas trop dur en ce moment, côté appro, côté tout ça ? C'est compliqué pour trouver des biens actuellement, mais on s'y attelle. Et ils ont l'air en forme, en tout cas, vos collaborateurs. Ouais, hein. La dame à côté se dit tout va bien, les jeunes se disent on est défenseurs. Hein. Ça se voit là, ils ont tous la banane. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Merci à vous, merci beaucoup. Pour remettre ce prix service, j'appelle la conseillère régionale de la région Grand Est. Et en même temps, vous avez une tête de présidente de la régie des transports, vous madame aussi, non ? C'est bien ça ? Prenez votre micro s'il vous plaît. Madame Pascale Gaillot, mesdames et messieurs. Bonsoir madame la présidente. Merci. Bonsoir à Si, ça marche, oui. Conseiller régional et donc au conseil régional des Grand Est, j'ai le plaisir et l'honneur de présider la commission environnement. Voyez. Et donc, mais je voulais remercier Ardennes Métropole et en particulier Boris Ravignon et Patrick Faustier de m'avoir invité ce soir et permis de participer à cette belle cérémonie. Je serais presque tentée de plagier Aubin Janteur, hein, mais c'est vrai que la création d'entreprise et la prise de risque, nous les élus, nous en sommes, nous mesurons bien. Que vous faites et on a tout intérêt à vous encourager. Alors vous savez qu'à la région Grand Est, le président en charge du développement économique, c'est Boris Ravignon, qu'il est aujourd'hui aux manettes pour pouvoir effectivement favoriser l'accompagnement des entreprises, toute entreprise, quelle qu'elle soit. On a dans le Grand Est un premier pilier sur lequel on aime toujours capitaliser. Industrie. Effectivement, il n'y a pas que l'industrie, il y a tout ce que vous représentez, le commerce, les services, le tourisme, l'environnement, etc. Donc moi, je veux juste ce soir, au nom du président du conseil régional, vous dire à tous bravo, félicitations pour votre énergie que vous déployez tous les jours au service de notre département et de notre région. Merci, madame. Alors, on y va, on commence avec le trophée de bronze, s'il vous plaît, madame. Le trophée de bronze est décerné à Administra Service. Merci. Voilà. Bon bah tout d'abord, merci, principalement à Ardennes Métropole, de mettre en avant un peu nos entreprises, nous faire connaître. Je remercie Maude, ma collaboratrice, que j'ai embauchée récemment et qui m'épaule énormément. Je suis fière aussi d'être là ce soir parce que j'ai pris beaucoup de risques. Je suis maman célibataire qui a monté une entreprise seule. Donc comme quoi, tout est possible. Quand on veut, on peut. Voilà. Merci encore. Bravo, madame. Voilà. Le trophée argent, à présent, est décerné à Janus SAS. Voilà, monsieur, bravo, félicitations. Merci. Donc, moi, j'aimerais remercier surtout les entreprises qui nous soutiennent, dont une voisine, la Fontardennaise, mais que ce soit aussi PSA ou Arcavi, et bien d'autres encore, qui donnent leur chance à des gens qui le méritent. Voilà. Merci, bravo. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes très photogénique et ce serait dommage que vous ne soyez pas le seul. S'il vous plaît. Non, mais quand même. Oui, madame, j'ai travaillé. Hein, parce que sinon, monsieur Faustier ne sera pas content. Pardon, madame. Et le trophée or est décerné au royaume des tout-petits. Mais je crois qu'elle n'est pas là. Voilà, donc elle n'est pas là et j'imagine qu'elle est... On lui remettra... On lui transmettra vos félicitations, madame. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Soirée. Merci beaucoup. La dernière catégorie, je dirais, est officielle. Et ensuite, ce sera le coup de cœur. On passe maintenant au trophée autour des prix environnement. Et on va commencer avec une promenade 30 avenue Marguerite à Sedan. Manon, la fée des plantes. C'est Manon Vanlin. Manon, vous êtes là ? Oui. Eh bien, que se passe-t-il ? Vas-y. Il y a.
Madame la maire de Foin, je parle fort moi par contre. Oui. Qui veut bien prendre le prix? Ah, vous voulez bien prendre le prix? Et si vous ne lui remettez pas, comment on fait, nous? Non, mais parce que... Non, mais madame, vous êtes le maire, donc vous pensez que vous avez le droit de tout. Non, il n'y a pas de souci, je remettrai ce prix à madame Florin. Vous le jurez devant ce tribunal? Dites, je le jure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Soyez la bienvenue, madame, il n'y a pas de problème. Non, mais quand même. Non, mais attends. Faut être sérieux. On est professionnel ou on ne l'est pas? Madame Vanlin, je vous prie d'accepter nos excuses. Madame le maire a failli me violenter. J'ai perdu complètement mes moyens. Maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup, madame le maire. Merci, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah oui, vous voulez savoir ce que je fais? Ben, oui. C'est-à-dire que vous m'avez envoyé un joli mail. Non, je vous ai invité à venir boire une tisane nuit coquine et vous avez refusé. Madame, si vous m'aviez invité à déguster une tisane, je ne serais pas venue, mais j'aurais regretté. Je ne fais pas vendre d'alcool. Donc en fait, moi, mon métier, c'est herboriste. Oui. Si vous ne savez pas ce que c'est comme un druide. Vendez de l'herbe. Voilà, sans la barbe. C'est un druide sans la barbe, en fait. Donc en fait, mon boulot, c'est de prendre soin des gens avec des plantes. Voilà. Et, et c'est le plus vieux métier du monde. Et enfin... Voilà, encore une fois. Vous voulez que je vous aide un peu? Non, si, elles n'existaient pas avant moi, parce que à la préhistoire, on faisait déjà ça avec des plantes. C'est voilà. Pas grave, madame, laissez parler votre cœur, ne vous retenez pas. En tout cas, vous prenez soin des gens avec des plantes et des produits naturels, vrai? C'est ça. Ouais. Vous proposez en plus des produits en vrac? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Douche, shampoing, vinaigre, tout. Oui. Tisane. Savon de Marseille. Oui. Ouais. Thé, les épices. Les plantes médicinales. Ouais. Ouais. On est d'accord? On vient avec son petit pot chez moi et on remplit. Voilà. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de sac, rien, on ne les retrouve pas dans la mer. Et c'est nickel côté environnement. C'est on ça. Est d'accord? On est d'accord. Ouais. Et vous aimez aussi donner des bons tuyaux pour le faire soi-même, c'est ça? C'est ça. Alors, je fais des ateliers une fois par mois, à la fin du mois. Ouais. Ça s'appelle « Ramène ta chaise ». Et si ça vous intéresse, la semaine prochaine, c'est sur les poils et les cheveux. Madame Vanlin, ne me taquinez pas plus que ça en public. Vous allez le payer cher. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît. J'ai perdu tous mes moyens. 20 Courbriant à Charleville-Mézières, l'atelier de Morissette avec Axel Paris. Axel, vous êtes là? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va? Bah, ça va. Un petit mot de présentation? Du coup, j'ai ouvert ma boutique atelier au Courbriant à Charleville. Oui. Donc, dans la boutique, je propose des produits qui sont éthiques et éco-responsables. Oui. Donc, c'est des produits d'hygiène, des produits cosmétiques et aussi des accessoires zéro déchet. OK. Des jeux pour enfants, plein de choses éco-responsables. Et aussi, je fais des ateliers pour apprendre à faire soi-même ces produits. Vous aussi? Voilà. Vous éduquez les petits, les grands et tout le monde. Tout le monde, voilà. Voilà. Et en tout cas, avec une vraie démarche vertueuse autour de l'environnement. C'est ça. On peut dire ça comme ça? Oui. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. On quitte Sedan, on quitte Charleville-Mézières pour la quiétude de la campagne donchéroise. Rendez-vous à Doncherie avec Manuel Dab. Très bien, madame, à vos ordres. De Green Line France. Vous êtes là, monsieur? Oui. Mais vous étiez déjà là l'année dernière, vous, non? Ah oui, vous êtes un pilier du moment, et même l'année d'avant, très bien. Ça va, depuis 2 ans? Oui, mais ça va bien. J'ai une voix grave, hein, excusez-moi. C'est pas grave, monsieur. Donc, Green Line France, on a 3 sociétés avec mes associés, donc moi je dirige Green Line France, on a Green Line Industrial et Labo WTC, et on livre dans 25 pays à des revendeurs des produits d'hygiène d'entretien et de maintenance, éco-responsable aussi, et notre propre marque en France, au Luxembourg et en Belgique. Voilà. Et tout va bien? Ça va bien, oui. Vous êtes un homme heureux? Oui, ça va. Ouais. Merci à Merci. Vous. Merci. Pour remettre ces prix de l'environnement, rien de tel que la vice-présidente en charge du développement durable Ardennes Métropole, madame Inès de Montgon. Bonsoir, madame.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors un petit mot sur l'environnement Ardennes Métropole. Et je suis très heureuse qu'on ait créé ce prix et j'en remercie Patrick Faustier. Ça montre bien qu'écologie et économie ne sont pas indissociables et que l'environnement et le développement durable infusent non seulement dans notre quotidien, mais également dans le monde de l'entreprise. Alors ce soir, on va récompenser trois entreprises ou commerces. Pour certains, c'est une première. Pour d'autres, ils ont déjà gagné dans d'autres catégories, je crois. C'est le suspense. Un petit mot encore, juste pour ajouter qu'on a à Ardennes Métropole de nombreux projets pour vous dire un petit peu ce qu'on fait en termes de développement durable. On travaille sur les économies d'énergie, à un moment aujourd'hui où les prix de l'énergie flambent. On a créé une société d'économie mixte avec la région et les autres intercommunautés ardennaises, la chambre de commerce, de nombreux partenaires. Et cette société d'économie mixte qui s'appelle la CEMENR va nous permettre d'accompagner des entreprises dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Donc la région est d'ailleurs, et je remercie Madame Gaillot d'être là, est un partenaire très important pour nous. On monte de nombreux projets également en partenariat avec les communes pour rénover des bâtiments. On monte des projets dans l'environnement, la nature, la protection de nos cours d'eau, la protection de nos paysages. On monte des projets dans le domaine de l'agriculture et du bien manger, de l'alimentation. On travaille actuellement sur le plan alimentaire territorial en partenariat avec le Parc naturel des Ardennes et également avec la Chambre d'agriculture. Donc vous voyez que le développement durable, c'est finalement extrêmement large et que j'appelle toutes les entreprises d'Ardennes Métropole qui souhaiteraient candidater à le faire pour que, voilà, elles puissent se faire connaître. Alors, sans plus attendre, le trophée bronze. Alors, c'est un commerce éco-responsable qui est dans l'air du temps et qui propose des produits durables et réutilisables, mais également des ateliers dans le domaine de la création et du bien-être. Sa propriétaire a un petit surnom et c'est ce surnom qui a donné le nom de son commerce. J'appelle l'atelier de Morissette. Alors, pour la petite anecdote, je crois que Maurice, c'est le nom de votre chat. C'est pas ça? Ah bon? Alors expliquez-nous pourquoi l'atelier de Morissette. J'ai pas de chat. Ah, mince. Mais Morissette, c'est ma mamie. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, comme ça, on ne se posera pas la question de savoir qui est Morissette. Bravo. Merci beaucoup. La petite photo, madame. Alors, pour le prix argent, c'est une entreprise qui a été déjà récompensée, une entreprise située à Donchery qui poursuit son développement et qui recrute un acteur majeur dans les Ardennes, dans l'univers de l'hygiène et des solutions de nettoyage qui intègre tout le processus de fabrication avec un laboratoire de recherche et développement et deux unités de fabrication. Il y a 22 ans, son PDG avait déjà un temps d'avance lorsqu'il a lancé des produits respectueux de l'environnement. Nous le récompensons à nouveau cette année pour son engagement. C'est Green Line France et j'appelle Manuel Dab. Et à Covid, si vous voulez. Bravo, félicitations. Donc, je remercie Ardennes Métropole parce que j'ai déjà gagné 2-3 trophées, mais donc je remercie, hein, c'est très bien. Monsieur Ravignon aussi, puis vraiment toute l'équipe qui fait un super boulot, puisque à chaque fois, Madame Jacquard rappelle pour certains dossiers quand on a des demandes. Voilà. Et je remercie Madame de Mongon, on dit, hein, au monde. Je vous remercie. Merci, bravo. Alors, pour l'or, c'est une commerçante qui est très active sur les réseaux sociaux et qui a créé un magasin de conseils en bien-être par les plantes et les produits naturels, herboriste de formation, déjà récompensé dans la catégorie commerce. Nous saluons aujourd'hui à nouveau son parcours, son appétence pour l'environnement, pour les produits en vrac, pour également son action en réseau avec d'autres acteurs ardennais, puisqu'elle travaille en circuit court. J'ai le plaisir d'appeler pour le trophée or une Sudanaise, c'est Manon Vanlin. Très émue. C'est le pollen, dit-elle.
Quand les hommes pleurent, c'est beau, mais quand les femmes pleurent, c'est pas mal non plus. En un mot, la race humaine, quand elle est touchée comme ça, on meuble un peu pour vous laisser reprendre les esprits, pour que vous soyez heureuse, que vous nous communiquiez du bonheur, que vous puissiez récupérer. Et quand on voit que ça va mieux seulement maintenant, on laisse parler les gens, sinon c'est qu'on ne les respecte pas. Allez-y Manon. Merci. Donc je voudrais remercier Arden Métropole. Je voudrais remercier Mickaël aussi, qui nous soutient bien au niveau des commerces à Sedan. Remercier mes parents et puis remercier aussi tous mes amis, parce que j'ai eu une période un peu compliquée. Et quand on a des vrais amis, c'est vraiment chouette. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, bravo. Bien. Nous avons, nous vous devons quelques excuses parce que nous avons un petit peu débordé. D'habitude, c'est nous qui présentons vos structures. Et là, on s'est dit, on va vous laisser le faire vous-même parce que c'est tellement plus chaleureux. Pas de regret. On a débordé d'une petite quinzaine de minutes, mais ce n'est pas très grave. Avant qu'on termine, eh bien, bien sûr que nous allons remettre le fameux prix coup de cœur. Boris Ravignon n'étant pas là, c'est peut-être vous, Patrick, si vous le voulez bien, qui allez le remettre. Juste à l'issue de la remise de ce trophée, Patrick, vous nous direz peut-être un petit mot de conclusion. Et pour nos amis photographes, tous ceux qui ont reçu des trophées, c'est bien cela. Merci d'avoir la gentillesse, quand Patrick aura terminé, d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre pour qu'on puisse faire une photo de famille. Tu veux là ou là ? Là, d'accord. Donc ça se fera ici. Ok ? C'est bon ? Alors, le trophée coup de cœur, moi j'ai pas envie d'en parler. Je pense que, monsieur Faustier, c'est peut-être à vous de faire monter un peu la mayonnaise parce que dans une époque pas si lointaine, vous étiez un orfèvre du micro, n'est-ce pas ? Ah bon ? Oui, oui. Oui, oui. Bien. Alors, le trophée coup de cœur, il existe depuis l'origine, donc depuis 6 ans maintenant. Mais avec le jury, on l'avait un tout petit peu détourné de son objectif. En fait, on l'avait imaginé au départ comme étant une super cerise sur le gâteau, en se disant que dans tous les lauréats, il y en aurait bien un que le jury voudrait mettre particulièrement en avant. Mais finalement, les 4 ou 5 premières éditions, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Pour une raison simple, c'est que nous avions à ce moment-là une récompense par catégorie. Et donc, tous les autres candidats repartaient sans rien. Et à chaque fois, le jury s'est dit, ah, c'est quand même embêtant, dans telle ou telle catégorie, il y a bien le deuxième ou le troisième, on aurait bien voulu lui donner quelque chose. Et souvent, le coup de cœur, en réalité, a servi de session de rattrapage, si je puis dire, de celui auquel on était vraiment désolé de ne pas avoir pu donner une récompense. Le Grand Prix du jury. C'était le Grand Prix du jury. Et donc, depuis l'année dernière, où on est maintenant sur un système or, argent, bronze, eh ben on a, au niveau du jury, un peu moins de regrets d'avoir quelqu'un qu'on a écarté, puisqu'on arrive, pas à récompenser tout le monde, mais quand même à récompenser un peu plus largement. Et le coup de cœur est redevenu, depuis l'année dernière, ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un vrai coup de cœur. C'est-à-dire l'une des entreprises, peu importe quelle entreprise, vous avez vu qu'elles étaient très diverses, dans celles qui étaient candidates, l'une de ces entreprises avait effectivement touché le cœur des membres du jury. Et donc, ben voilà, ça fonctionne comme ça depuis l'année dernière. J'en suis très content, parce que moi, je connais le résultat, bien entendu, puisque j'étais dans le jury. Et je suis très content de l'entreprise auquel nous avons décerné ce coup de cœur, puisqu'il s'agit, on ne va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps, d'Amazonia Sandwich. Voilà. Et vraiment, venez nous rejoindre pour que je vous remette ce coup de cœur. Et nous rejoindre, et je suis particulièrement heureux que ce coup de cœur du jury soit allé à Amazonia Sandwich, parce que c'est une entreprise, nous sommes venus à l'inauguration avec Boris, qui nous a touchés particulièrement. Vous nous avez touchés, madame, par la qualité de ce que vous faisiez, par votre engagement, par votre volonté de faire partager les valeurs de votre Guyane à l'ensemble des Carolomassériens, des Ardennais plus largement. Donc ça nous a tellement touchés. Ben, vous voyez, on a été quelques-uns. Il y avait dans le jury des gens qui étaient vos clients et qui ont dit aussi la même chose que nous. Ah ben, franchement, c'est une entreprise qui mérite. Donc elle mérite vraiment des applaudissements.
vous a tellement touché qu'elle voulait toucher le micro. On est dedans. Je n'ai pas de mots. Merci infiniment, franchement, et justement, il a tout dit. C'est vraiment un partage, et je vous invite vraiment à, histoire par curiosité, en fait, de venir voir, parce que c'est vrai que les gens n'osent pas, parce que on a beaucoup d'a priori sur l'exotisme, parce que forcément, on confond piment et épices. Et c'est vrai que mon projet, c'est ça. C'est le partage, parce qu'on a beaucoup de choses en Guyane, et c'est vrai que les gens ne connaissent pas, et à travers la nourriture, parce que qui n'aime pas manger, tout le monde aime manger, et je pense que c'est vraiment un très grand partage, et ça me tient énormément à cœur. C'est vrai que c'est un très gros projet, et j'en suis fière, et là encore ce soir, franchement, ça me motive encore plus, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que pour l'instant, je suis toute seule, et c'est vrai que tout est fait maison, tout est fait de moi, et là, franchement, avec ça, c'est énorme. Franchement, merci, merci infiniment. Je n'ai pas de mots. Merci. Monsieur Faustier, laissez-moi vous dire, madame, et croyez-moi, je suis un expert, vous avez des cheveux magnifiques. Magnifiques. Comment ? À côté de la dame ? Mais ça ne va pas contraster avec et sans cheveux ? Merci à vous. Vous voulez m'en donner ? Vous savez parler aux hommes, vous. Merci à vous. Allez, on arrête les bêtises maintenant. Merci à vous, Monsieur Faustier, pour tout ce que vous faites, en tout cas, dans cette organisation. Merci à vos équipes. Une dernière pensée à Lise, hein, qui nous regarde, et on ne l'a pas oubliée. Merci, Patrick. Merci, Bruno, et merci à toi d'avoir animé avec la faconde qui est la tienne. Et je crois que ça participe aussi de la qualité de cette remise des trophées, justement de pouvoir le faire d'une façon détendue et d'une façon souriante. Je voudrais quelques remerciements à toutes celles et tous ceux qui étaient des remettants ce soir. Merci d'avoir participé vous aussi à cette remise des trophées. Vous voyez bien que quand on voit les entreprises qui ont été récompensées et celles qui étaient candidates, vous voyez bien qu'on retrouve un certain nombre de dispositifs d'Ardennes Métropole. D'ailleurs, elles ont été très gentilles parce qu'elles l'ont dit, on a bénéficié de l'incubateur, on a été dans tel ou tel dispositif, on a bénéficié de ma première boutique. On m'a dit d'ailleurs que votre boutique était splendide, il faut que je vienne vous voir. Mais je dis ça parce que c'est intéressant qu'on constate combien ces dispositifs, lorsqu'ils sont imaginés au plus près de l'activité économique, par des gens qui s'intéressent à cette activité économique, combien ça peut être efficace. Il ne s'agit pas d'avoir de grandes idées pour porter l'activité économique. Il suffit simplement de faire confiance aux entrepreneurs que vous êtes toutes et tous et d'essayer de façon pragmatique, de façon modeste, d'essayer de retirer un petit caillou par-ci, un petit caillou par-là qui empêche de réaliser des projets. Et c'est vraiment l'ambition que nous avions avec Boris Ravignon à partir de 2014, c'était ce côté pragmatique et ce côté retirer les petits cailloux sur le chemin. Et c'est vraiment ce que nous avions l'ambition de faire. Et on a vu aussi au travers des entreprises qui étaient candidates ici combien il y a déjà des choses qui se passent entre la formation, le campus, une entreprise d'insertion que je connais, que j'ai vu tout à l'heure, combien en aidant ces entreprises à s'implanter et à se développer sur le territoire, on arrive à avoir, il se passe le témoin les uns les autres, et ça, chacun d'entre eux aide les autres à progresser. Et c'est vraiment comme ça, et avec ces outils que nous avons essayé de constituer et de développer, que nous allons réussir, et on en est convaincu, à aider ce territoire à relever le défi qui est celui de la réindustrialisation, du redéveloppement de l'activité économique et bien entendu d'un redéveloppement de la population. On a des projets importants, Boris en a parlé rapidement tout à l'heure, on a des projets importants, vous avez vu qu'Hermès ouvrira à Tournes au mois de septembre, vous avez vu que Sanoukoura ouvrira probablement dans le courant de 2023, vous avez vu que la prison également va s'implanter à Donchery, je ne vais pas faire le tour de tous les projets, mais vous voyez qu'on a beaucoup de projets, et croyez-moi,
Depuis 2014, et ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce aux entrepreneurs, c'est grâce à tous ensemble. Depuis 2014, les choses ont bien changé. Lorsque, en 2014, on essayait d'expliquer à un porteur de projet qui pouvait se trouver bien dans les Ardennes, il nous demandait où se trouvaient les Ardennes, et il avait comme un doute. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. On voit arriver des projets, on arrive à les faire mûrir, et on arrive à les faire avancer. On y arrive, pourquoi ? Parce que c'est développé sur le territoire un écosystème autour de l'entreprise et une volonté collective de faire porter des projets aux entreprises et développer des entreprises. Et je crois que c'est ce travail-là que nous faisons chacun dans notre coin. Personne d'entre nous ne peut s'arroger ces résultats. C'est simplement parce que chacun d'entre nous est convaincu qu'on peut faire des choses dans ce territoire, qu'on peut y développer beaucoup de choses. Eh bien, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette volonté commune, c'est grâce à cette envie commune que nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Je ne vais pas être plus long. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette remise des trophées. Nous essayons de faire progresser chaque année un peu ces trophées. Je pense que l'année prochaine, on va pouvoir vous annoncer un partenariat qui va nous permettre de franchir un cran, d'être encore plus performants, d'être encore plus nombreux et de pouvoir récompenser encore mieux les entreprises du territoire. En tout cas, merci encore de votre participation. On va terminer, naturellement, puisqu'on y a de nouveau droit, par un instant de convivialité. Mais je tenais du fond du cœur et au nom de toute l'équipe qui est à mes côtés, l'équipe technique qui se trouve là-haut et qu'on remercie également, qui ont diffusé cette cérémonie sur Facebook, bien entendu, et toute l'équipe qui m'accompagne à Ardennes Métropole, je voudrais remercier tout le monde de s'être battu pour obtenir à nouveau une belle remise des trophées des entreprises 2022 et vive 2023, qu'on devrait retrouver, je l'espère, à la date qu'on avait fixée dès le départ, c'est-à-dire le premier vendredi. Donc vous pouvez retenir le premier vendredi de février 2023 comme étant la future date de la remise de ces trophées. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Avant le verre de l'amitié, n'oubliez pas la petite photo parce que les photographes sont là. Donc tous ceux qui ont participé, merci d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous approcher. Pour les autres, vous avez tout le loisir d'aller profiter du moment de convivialité. Merci.